souffle, il y a du vent et tout. Oh, c'est un sacré délire. Prends beaucoup de plaisir en tout cas. Bon, aujourd'hui ça va être bien assez. Il y a une cale normalement de mise à l'eau juste là-bas au bout. Hier donc j'arrivais par chemin. Je suis arrivé à côté de ce restaurant, je voulais m'abriter derrière. Et au final, en allant demander aux chasseurs qui sont là-bas, le meilleur endroit en fait c'était dans l'abri poubelle. Là du coup, atelier séchage, parce qu'au final, sous l'abri j'ai quand même pris l'eau. Et c'est venu par en dessous. En fait ça a ruisselé comme ça et ça arrivait, ça a pris une grosse flaque en dessous la tente, j'ai vu ça que ce matin. L'abri local poubelle c'était bien mais à moitié. En plus le lendemain il y avait le journal de Saône-et-Loire qui passait me voir. C'était le bordel sur mon campement mais il a quand même réussi à faire un bel article. Et aujourd'hui la Saône elle est calme, ça va dérouler. Ah c'est trop bien. Avec un grand soleil comme ça. Tout là-bas, au bout, par là-bas, il y a un barrage en fait, donc bah, comme d'habitude, faut le sortir et puis après, bah, faut le tirer. Et les distances sont beaucoup plus grandes, les barrages aussi, parce que c'est vraiment des grands bateaux qui passent ici sur la Saône et sur le Rhône. Ce qui fait que la plupart du temps, je le tire sur 1 ou 2 km avant de pouvoir le remettre à l'eau. Et voilà, en attendant, j'admire au drone tranquillement avant de repartir sur la Saône en direction de Lyon. Bien finir cette belle journée, et eh bien je me fais accueillir. On m'a proposé bien gentiment de dormir dans un gîte qui est fermé en fait pour l'hiver. Donc Pépito il a le droit au ponton, moi j'ai le droit à une grande chambre avec canapé, et puis en plus on s'est fait une soirée pizza, on a partagé un peu toutes nos histoires, et voilà, un bon bain aussi pour bien reprendre des forces. Donc un grand merci à lui puisque je repars en pleine forme pour pouvoir continuer sur la Saône en direction de Lyon. Faut aller vers la lumière. Ah, je me réchauffe vraiment pour pédaler, ça veut rien dire. Je pédale vraiment pour... Je suis bien gelé. Mais je m'arrête pas pour autant parce que de toute façon il n'y a rien pour s'abriter. Donc faut pédaler. Et après avoir parcouru 30 km en 4 heures, j'arrive déjà à la ville de Mâcon. C'est impressionnant comment ça va vite sur la Saône. Toutes les étapes s'enchaînent, je pense que je vais arriver à une vitesse record à Lyon. Enfin le soleil, yes, trop bien, ça fait du bien. Ah, faut vraiment que j'en profite parce que quand je vois les nuages derrière Mâcon, ça sent vraiment pas bon encore toute cette histoire. Je commence déjà à recevoir les gouttes. Ouais, ça va, je me suis trouvé un endroit là bientôt, donc je pédale le plus vite possible pour pouvoir y aller. Et j'espère que je vais réussir à me poser avant de prendre la grosse drache comme on dit sur le coin de la figure, mais c'est mal embarqué, Thierry. Ah ouais. Encore une fois, j'ai trouvé un abri pour la nuit. Comme ça, demain, la tente sera toute sèche. Et ouais, une bonne journée encore où c'était vraiment pas facile. Ce matin, j'ai le droit à la visite de ce chien qui est tout seul, qui se balade comme ça. Là, il vient marquer son territoire. Bah oui, tiens. Salut, toi. Sûr. En attendant, je vais me mettre sur le côté quand même parce qu'ici c'est pas des petits bateaux. Je
pas chaud. Ah ça non, ah ça non. Et savoir là la taille du poisson. Ouais, dans la journée là. Ouais. Ouais. C'est un peu le poisson de la journée. Aujourd'hui je suis vraiment de bonne heure. Il est 6h du matin, voilà, je suis prêt à prendre mon petit déjeuner, à me préparer pour cette journée qui s'annonce épique. C'est assez stressant pour moi de traverser une grande ville, j'aime jamais vraiment trop ça. Je suis pas vraiment à l'aise voilà, avec tout ça clairement, et donc du coup j'ai hâte que ce soit passé. Donc je vais vite me préparer ce matin pour éviter la pluie déjà et éviter de replier la tente trempée, et puis surtout aussi pour arriver assez de bonne heure sur Lyon et pas me retrouver bloqué en pleine ville ce soir avec le kayak. Donc voilà, vraiment l'objectif, traverser Lyon aujourd'hui, et on va voir comment ça va se passer, mais je suis sûr qu'il va y avoir plein de péripéties. Ah voilà l'autoroute, l'autoroute que j'ai entendu toute la nuit avec le bruit des camions et tout. C'est pas vraiment le genre de son qu'on veut entendre quand on fait du bivouac comme ça en pleine nature. Mais quand on se rapproche des grandes villes, c'est un peu inévitable. Et quand je vois le courant là, oh là 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 là, je me dis qu'après à Lyon, je vais, ouais, ça va être une belle histoire. Sachant que je dois remonter le Rhône sur 10 km, ça me paraît impossible. Bon, j'ai vu qu'il y a une piste cyclable. Maintenant, s'il y a du courant comme ça, est-ce que je vais pouvoir aller rejoindre la piste cyclable? Est-ce que je vais pas devoir continuer plus bas et la reprendre plus loin? Je sais pas du tout. Ouais. En vrai, Lyon, je crois que ça va plutôt être cool à traverser. J'ai croisé des personnes qui faisaient de l'aviron, ils m'ont plutôt rassuré et voilà, c'est plutôt tranquille. Il y a des péniches et tout, non, c'est hyper sympa pour le moment. Après, de remonter le Rhône, ça sera sûrement un peu comme remonter la Loire. Donc voilà, je me sens beaucoup mieux, moins stressé que tout à l'heure, et j'avance tout tranquillement là sur la Saône. Lyon, c'est vraiment une ville magnifique avec plein de beaux monuments qui sont vraiment splendides et qui sont souvent d'ailleurs situés sur les hauteurs ou alors dans la ville. Et c'est trop compliqué pour moi et Pépito d'aller les visiter. Moi, ce que je vois, c'est surtout des monuments de loin ou alors de près, mais que l'architecture ou alors beaucoup de péniches, et surtout beaucoup beaucoup de péniches. Cette super balade détente, il est temps d'aller rejoindre le Rhône. Là j'arrive pile à la bifurcation et j'ai bien trop de vitesse, donc à mon avis ça va être extrêmement compliqué d'essayer de remonter le Rhône, je sais pas, mais je suis pas hyper bien rassuré ce coup-ci, donc on y va. Et là il y a trop de courant, j'avance plus, je fais quasiment du surplace, donc je vais bientôt le sortir. Allez Pépito, allez Pépito. Mais bon, moi je suis têtu et on y va avec Pépito, on y va. On n'avance pas à grand chose, mais c'est pas grave, on y va. Bon bah au final je reviens en arrière, j'ai pas réussi à atteindre la cale que je voulais, donc voilà, j'avais vu qu'ici c'était correct pour le sortir. Et là je galère tellement que je vais le sortir ici. Ouais, bon bah il y a bien trop de courant, c'est pas du tout possible de le remettre à l'eau ici, même plus loin d'ailleurs je pense. Donc on va continuer de le tirer Pépito, et puis bah là je pourrais bien replanter la tente ici, mais je vois un petit peu trop de monde, je croise un petit peu trop de monde, les gens qui se baladent ou alors qui traînent ici dans le parc. Donc autant je suis pas trop heureux pour aller camper en pleine nature, mais autant aux abords des grandes villes je suis vraiment pas du tout rassuré. Et je préfère continuer d'essayer de m'en éloigner en tirant de Pépito, quitte à ce qu'on finisse de nuit. D'un coup, ça fait j'boum,
Le pneu qui a lâché là, juste là, on voyait complètement déchiré, j'avais pas remarqué, la chambre à air qui a éclaté. Et voilà, comme je disais, il fait nuit, je suis en train de sortir, je suis le long de l'autoroute. Voilà, c'est un peu la merde. Et parce que comme je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.